Israël intervient au Liban, etc. Alors que l'Ukraine, c'est un enjeu qui est absolument géopolitique et géostratégique, parce que c'est la défaite non pas de l'Ukraine contre la Russie, mais de l'OTAN contre mmh. la Russie. C'est une défaite qui, est, qui peut avoir une, 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 vraiment une des répercussions, j'allais dire, cosmiques. Enfin, C'est-à-dire, la, 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 la vous, perte... Vous parliez de euh, 1870, euh, la défaite de Sedan a, euh, a coûté le pouvoir à Napoléon Voilà. Trump, je pense que mais mais c'est même, c'est tout le narratif occidental qui je oui, vois. Oui, mais pour Israël aussi, regardez la condamnation de la CPI, on voit bien qu'il y a un... maintenant, vous l'avez rappelé sur la résolution de la semaine dernière, il y a maintenant une majorité de pays, euh, oui, mais... en fait comme s'il y avait un renversement là aussi, oh. qui disent attendez ça va être trop loin alors. Oui, c'est vrai non, je suis d'accord sur longue période. C'est vrai. Sur la scène de Gaza, je, je, hein. Oui, c'est ouais. vrai. Je suis d'accord. Mais l'expérience, moi, j'aime bien l'histoire, mais y compris l'histoire récente, l'histoire, hum. si vous voulez, c'est l'histoire a montré au cours des 60 dernières oui, années qu il y avoir des que, voilà, que Israël, a, au bout du compte, euh, les États-Unis et le monde occidental ne peuvent pas laisser tomber Israël, et que, euh, et, et que Israël sait toujours jusqu'où, à quel moment, jusqu'où elle est trop loin. Bon, voilà. Et puis l'ensemble le, de l'appareil médiatique en Occident est très favorable à Israël. Non, mais Attendez, là, vous, vous parlez d'histoire, est-ce que vous parlez de Benjamin Netanyahu qui est dans cette course en avant, qui peut-être est la seule chose qui lui permet de régresser. Euh, euh, oui, je, mais ce qui est vrai, c'est ce qui qu'il faut toujours insister sur le fait qu'en Israël même, il a une forte opposition. Il y a des manifestations mmh. très oui. importantes contre lui, euh, qui, se sont, qui se sont manifestées. Et puis, vous l'avez dit, et je suis d'accord, la résolution de l'Assemblée générale dont je parlais tout à l'heure, mmh. en fait, il y a quand même. A quoi Alors, si on exclut les micro-États du Pacifique Sud, si le royaume de Tonga et les îles Salomon, ou je ne sais pas quoi, qui ont voté mmh. euh, contre la résolution, parce qu'en fait, ils ont eu un, un chèque de la, des oui, États-Unis ou d'Israël. Mais en fait, il y a cinq États. Qui ont, dé... qui... qui ont voté contre sur 193, c'est ah ça oui, la vérité bah oui. Donc c'est-à-dire qu'Israël est en effet sur une, une pente de... de marginalisation complète. Il faudrait faire très attention. D'ailleurs, vous avez vu, c'est une, bah ce que euh... oui, une information qui est peu connue, parce que j'ai trouvé ça sur Israël 24 News, c'est que le nombre d'Israéliens qui quittent l'État d'Israël est en forte croissance. Il est de plus 45% en 2023 par rapport à 2022. Mais pourquoi Par peur de l'embrasement qui... Oui, ou par des par des gens qui sont... et notamment beaucoup de jeunes hein. Il y a 40% des, des, des gens qui s'en vont. Il y a, là, c'est en augmentation de 54% depuis le début de l'année. Donc, il y a 55 300 Israéliens qui ont fui Israël, dont d'ailleurs 40% de jeunes, alors qu'ils représentent 24% de la population. Donc, ça veut dire que la politique de Netanyahou, elle n'est pas représentative de l'ensemble des Israéliens.